الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بل فيما سيقول nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pense aux faveurs qui nous présente ici. Et faveur Allah subhanahu wa ta'ala qui est encore nous vivant, la cour du rahma, du maghfirah encore vers nous. Et qu'on s'aime Allah subhanahu wa ta'ala, lui préserve nous comme al-mu'minoun. Un grand faveur en lui-même. Et c'est lui qui l'a iman. Sur la vie, vous êtes dans le choc, remerciement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Connaît Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى بيعطينا attention. Nous en tant que celui qui nous fait gagner la vie de cette dunya là, كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme a besoin de l'amour. Et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne concernant chacun pour gagner une récompense qu'ils ont mérité surtout dans l'akhira. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une ayat qui est très importante. C'est lui qui fait une réussite. Échappe-lui depuis s'il fait l'enfer. Jahannam. Et il fait une réussite, rentre dans le paradis par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad faz. Certainement il fait une réussite. Et il y a une vraie réussite, l'eau sa dunya là, il est en akhira. Et sa dunya là, il acceptait une jouissance temporaire. Ben frère, ben soeur en islam, quand on écoute ça, ayat Qur'an là, ça fait nous réaliser, concernant, et fait une réflexion concernant, nous la vie, nous la terre, comment les bien goûte. Comment nous faisons travail dans sa dunya là pour qu'elle échappe nous depuis différents l'enfer et pour gagner sa grande réussite qu'appelle Jannah. Et aussi nous travaillons dans sa dunya là, faisez-vous ici pour récolter là-haut dans l'akhira qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Sa dunya là, mazra'atul akhira, c'est une place que nous cultivons, nous faisons et afin qu'il nous récolte dans l'akhira. Ça c'est réalité dunya. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, lui, c'est lui qui habite visite par tombe, par cimetière. Il visite afin qu'il y pense concernant sur l'amour. Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Quand il rentre dans le cimetière, quand il met celui-ci dans le cimetière, son lisier plein avec l'homme. Les pleurer, c'est tant les pleurer qui, même sur la bord, les mouillés avec l'homme. Uthman ibn Affan radiallahu anhu,
c'est pas Iman Ashra Mubashirin Abil Jannah. Ben, c'est lui qui finit gagné, garanti Jannah, même si tu es encore au dunya. Il m'a pleuré. Elle, c'est lui, un Iman grand sahabi. Elle, c'est lui qui finit acheter Jannah, pas sous richesse. Ça veut dire, il fait contribuer énormément dans la da'wah. Othman ibn Affan, c'est lui qui est un ange. Tu peux gagner monter avec lui. Si toi, tu n'as pas d'akhlaq précieux, il va pleurer quand il verra dans le cimetière. Maintenant, pose une question au Othman. Qui vient de mettre toi dans tel état? Dans tel état qui te pleurait autant? Othman, on dit Allah, on dit Dieu, هذا أول منزل للآخرة. Ça, c'est première demeure, première place que nous supposons traverser pour aller dans l'Akhira. Et Othman, on dit Allah, on dit Dieu, فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف. Si ça l'étape là fait une passe léger, l'aurait servité à connaître pas l'étape qui peut venir après, pour passer plus léger l'aurait servité là. وإن شدد على المرء كان ما بعده أشد. Si ça l'étape là fait une passe l'étape qui vient dure l'aurait servité là, bah l'étape qui peut venir après les beaucoup plus chadides, les beaucoup plus intenses, plus sévères qu'elle l'a protégé. Ensuite, assisé, il continue de pleurer. Ça montre nous Othman ibn Affan, radiallahu anhu, comment les travaillent dans la vie de l'Union qui vient vivre pour acquérir ce qui est meilleur, pour gagner ce qui est meilleur dans l'Akhira. L'un connaît qui il a pour travail, afin qu'il y passe sa l'étape d'un tombe, d'un kabab, avec facilité, afin qu'il l'Akhira passe plus facilité encore. Au ban nahlu l'Iman, ben c'est lui qui. Au moins, Iman, un petit abris Iman qui peut éclairer ou ça peut flamber. Écoute bien parole. Ben Sahaba, parole du prophète alayhi salatu wa salam et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le travail d'après principe Allah, d'après tariqa le prophète alayhi salatu wa salam, pour qu'il succède pour notre dunya et dans l'akhirat. Din al-Islam, c'est un din de sacrifice. Lui n'a pas sacrifié pour sa din là. Après avoir qu'il nous fait dire, nous fait accepter de la croyance ferme, Allah subhanahu wa ta'ala comme nous Rabb, comme nous ilah, et nous croyons la parole dans kalimat du tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nous la yakinons là, nous ne finissons pas un représentant de l'Islam. Nous finissons un représentant pour sa dîme, à l'Islam, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour nous. Nous la vie en général, nous vous appelons avec sacrifice. Quand le cause qu'on s'en sacrifie, ce n'est pas seulement quand Qurbani est arrivé, quand Bakril vient, quand le pauvre a un sacrifice. Non! Sacrifice, il englobe tout. Sacrifier-nous la vie, nous l'étant, nous l'argent. Sacrifier-nous le plaisir. Sacrifier même nos égaux. Sacrifier beaucoup de choses pour l'avancement de sa dîme. Quand on regarde l'histoire de l'islam, de l'époque de l'ashab ou Rasoul, commencez par le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même est le meilleur exemple comme sacrifice. Quand il fait sacrifier, quand c'est un sahabi, un sahaba, il Allah alayhi majma'in, fait sacrifier beaucoup de petites choses, fait un hijra, quitter la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une petite chose meilleure dans l'akhira. Alors, chers frères, et sur l'islam, nous sommes capables de sacrifier pour sa dîna. Sacrifier tout, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les satisfait avec nous. الله سبحانه وتعالى قرآن يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أنا القرآن بن فريم بن سون الإسلام كي ديمون à méditer. Pas seulement lire cette traduction. Méditer concerne ça être un an. Quand Allah subhanahu wa ta'ala me dit, lis Allah, lis fin acheté. Depuis, c'est lui qui va croire, va mourir, un fou, ça, ou un mois, là, vous.
finasté depuis sa bonne croix, et on a cette nafs, et cette amoual, cette richesse. Aurait tout, bien la moule djanna. Aurait tout, Allah subhanahu wa ta'ala, vous donne cette djanna. C'est une condition. Allah subhanahu wa ta'ala, une transaction qui vient de bien Allah subhanahu wa ta'ala, de sacrifier de nafs, sacrifier de richesse, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, bien la moule djanna. Jannah, et tout, qui nous tout, qui l'a persisté. Mais écoutez, qui moi, c'est lui qui peut causer, nous tenons but, nos rayas, c'est ridou Allah, wal Jannah. Satisfaction Allah et Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit hier, concernant sa succès-là, sa Jannah-là, sacrifie la cause. Et ça, il disait, Allah subhanahu wa ta'ala, il promet dans la Torah, dans l'Injil, dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit hier, qui s'en a qui puisse tenir ce promesse qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Gagne yaqeen, gagne iman de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sacrifie la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala selon nos capacités. Comme il y a Allah subhanahu wa ta'ala de moi, il y a qui Allah subhanahu wa ta'ala de ni courage, il y a ce courage de contribution d'île. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala favorisé par l'ilm, connaissance, les services de connaissance d'île. Qu'il soit les capables connaissance d'île, les capables connaissances concernant dunya séculaire, mais les aides de da'wa. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait favoriser par devenir richesse, les sacrifier dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est sacrifice. Moi, on va travailler dans les temps. On sacrifie mon état de da'wa. Chacun est là pour sa contribution. On n'a pas dit, moi, on va aller dans l'université islamique, on va apprendre à dans une bonne université, pour qu'il y ait une contribution dans l'île. Non. Tu es là, ta contribution. Selon ta capacité, amène ta goutmée dans la da'wa. Et ma grand exemple de ma sahaba, de la vie. Comment on fait sacrifier la cause à l'île-là et qu'ils ont dit, alhamdoulilah, nous pouvons gagner l'île-là avec facilité. Nous faisons gagner sa l'île-là avec facilité. Reconnaître ma zéphore de ma zéphore qui vient avant. Qu'il soit de Maurice ou ça, ben c'est lui qui est à l'extérieur aussi. Ben c'est lui qui finalement la lutte. Da'wa dans le pays, même partout, même dans l'histoire. Faire doua à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. L'époque de cause de rire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a causé une place noble dans Jannat al-Firdaws avec nos habib, Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup d'exemples, il y a quelqu'un qui est capable de citer. Cheikh Saleh Mohan. Cheikh Barbès Kariman, ben grand récemment, avant ça, ben grand da'i, ben c'est lui qui vient de faire ce coup de main, Allah récompense beaucoup de ses efforts. Ben vrai, ben soit en islam, là il y a pourtant nous, c'est qui nous rôle, après avoir compris l'importance de sacrifier la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, là nous venons de suivre une opportunité qu'il y a devant nous. Ben une opportunité devant nous, afin qu'il ne nous pas rate sa bonne chance là, parce qu'il, sa bonne faveur là, surtout parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup d'événements qui traversent devant nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a le moyen, il dit, écoute, comment tu finis de réagir? Comment tu finis de réagir quand on arrive tel événement, tu n'as peut-être de coup de bain? Est-ce qu'il te fait guider seulement de dunya? Tu fais une église concernant da'wa, concernant l'islam? Ta religion qui est supposément un représentant? Tu n'as pas à questionner devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est la jeunesse, un jeune, alhamdulillah, c'est la vie de da'wa. Parce qu'il ne lui fait pas pousser dans le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi longtemps qu'il ne peut pas répondre à une bonne question. Quand on considère de la vie, de l'âge, de jeunesse, de richesse et beaucoup de les autres encore, comment tu finis de traverser ça dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu finis de dépenser l'eau sa dunya là? أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mon frère, ma soeur en islam, connaît que le moment de l'amour, c'est un moment bien difficile. L'un qui dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit, c'est lui qui,
quand Adjel, quand la mauvaise arrive à sa pièce, là, les trous mal à quel moment devant lui. Et les bonnes préparées, là, c'était là. Il dit, quand on peut le dire, on m'a après tout, moi, nous la tire. Afin qu'il ne faut pas moi le faire, ben, travail qui, ben, beau travail qui m'a quitté. Là, c'était là, il rappelle quand j'étais ben, faveur, ben, beau travail qui te paraît devant lui, mais seulement, il fait ignore ce même travail-là. Au moins, après tout, moi, on va dire, moi, le retourner, moi, le faire, ça va nous voir chou-là. D'ailleurs, quoi, moi, je pense un homme à tes soldats, ou à vous, il est soir, il et, mon vie, moi, il va dire, lui, qui fait du bien. Mon fait charité, mon dépenser dans le chemin Allah, là, l'école va aller dépenser dans le chemin Allah, subhanahu wa ta'ala, comme elle a qu'elle monte par être démonique. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, protège nous contre un ban, Timoun. Quand on trouve l'amour devant eux, là maintenant, Rouhla pas les sortis. Rouhla pas les quitte les go. Si t'en fais attaché avec sa dunya là, avec tout plaisir qui finit dans sa dunya. Ben, ange bat sa dimoula, bat sa mancadie dimoula, et le trouve en dernier, je te souffre pour que sa Rouhla sortit. Bon, c'est qui fait. Quand je te l'écrire, sa personne sur l'écrire, li attaché avec dunya li ba muta'allaqun billah li ba attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala avec akhirah la souffrir des moments quand sa rouh la peut sortir là la porte de maghfirah la porte de rahma finit fermée là puis on vit repentir pas capable parce que là il n'arrivait quand on va la sortir là même avec batté il s'est sorti si toi il est attaché avec richesse de sa dunya là qu'Allah protège nous. La vie de dunya, mon frère, mon soeur, l'islam, les bien coûte. Les insignifiants devant les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vient nous donner autant de considération qu'après nous avons rendu compte, un par un qui nous vient faire. Dépense la majorité dans ce monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous faisons dépenser, frère, c'est pas seulement l'argent là, il y a tout. Et mettez-nous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même. Dans les mots qui façon, confiez-nous la vie où Allah subhanahu wa ta'ala pour da'wah, parce qu'il est très très important. Là, alhamdoulilah, il y a une opportunité devant nous, qui, vous comprenez, il y a un autre, si nous avons fini faire, et tout précisément, il y a une fiche qui vient coller aussi, l'homme de sport, concernant un de mes projets nobles qui est là. Coulez, mon frère, ça c'est une transaction, un business qui nous fait nous avec Allah, ça. Ben, nous, nous, l'iman, vous comprenez ça. C'est pas pour dire, vous mettez un, vous gagnez un en retour, non. Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier sur votre récompense. Pour 700 fois, pour plus encore. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier votre bonne action sur votre récompense. Alors, comment nous convaincre? Ça, il dépend de nous, l'iman. Et nous, bon, j'ai devant nous, alhamdulillah, qui n'est pas si bien arrosé à pleine manière, alhamdulillah. Et en même temps, pour une assommage sur l'institution de la langue arabe et Coran, surtout pour vous faire votre rythme à le Coran et le langage du Coran. Et alhamdulillah, moi, c'est le premier coup de main dans ce projet-là. Tout d'abord, nous demandons ce qu'on a la sincérité qui les fait nous réaliser ce projet-là avec sincérité et pas sous permission, pas sous l'aide. Parce que certainement, sans doua de tout mon frère et sans sincérité, il y a beaucoup de projets capables de parler grand, mais seulement Allah n'a pas oublié qu'il est en place. Alors, le fait, ça doit aller au commencement. Et deuxième, nous faisons l'appel à Batou, c'est lui capable de contribuer pour ce projet-là, afin qu'il soit capable de nous voir ici, présent là-dedans, pour apprendre. Mais ben, c'est lui qui va venir après. Nous, bons enfants, et ben Jil, ben Adjial, ben notre génération pour profiter. Parce qu'Alhamdulillah, nous avons eu l'occasion pour rendre cette institution dans le pays, Alhamdulillah. Nous maximisons la permission à Allah. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est lui qui, quand on peut dire ça, il finit faire l'intention, connaît qui le prophète Ali, qui soit à toi, fait nous connaître, il n'a pas l'amal ou l'iyat, ou il n'a pas l'écoute, l'imri, il m'a d'awa. Alors, tout bon action pour être récompensé, c'est base de l'intention qu'il nous vient faire, et nous pouvons être récompensé par rapport à nous l'intention. Connaît qui, le prophète Ali, qui soit à toi, fait de nous la bonne nouvelle. Concernant Bina ou le masjid, quand nous contribuions pour arranger, masjid, la case Allah,
Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Man bana masjidan yabtaghi wajha Allah. C'est lui qui finalement cette masjid contribue pour rendre cette masjid. Et alors il y a ça, li oulé wajha Allah, fait Allah plaisir. Bana Allah lahu baytan fil janna. Allah arrange pour lui une la case dans le paradis. Dans notre riwayat, le prophète alayhi salatu wassalam fait nous comprendre, c'est lui qui range un masjid. Les capables, comment Kamafhasi qatat. Les capables ressemblent, comment dire, un petit nid d'oiseau. Qatat, Mafhasi qatat veut dire un nid d'oiseau qui vit dans les airs, qui lui fait aller pour les capables, des beaux se disaient là-dedans. Les biens petits petits ça. Le sahabi, le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est lui qui fait la rose un masjid. Les capables bien petits, même les commandés ni un oiseau, Allah subhanahu wa ta'ala prononce pour lui la case dans le paradis. Comment le savant explique concernant ce hadith-là? Quand le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui prend ça l'exemple à plaisir, même les capables de contribution paraît bien petit, mais seulement fier et sincèrement la cause d'Allah contribuer, Allah subhanahu wa ta'ala pour gonfler en termes de récompense, sa action charitable qu'il vient de faire là, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit de votre récompense. Allah subhanahu wa ta'ala comme ça dit dans le Coran: "Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Je ne peux pas vous gagner, mais il y a comme récompense, excepté après avoir ce fil dépense dans quelque chose qui te plie content. Donc quelque chose qui nous content là, dans même dépenser. N'a pas attendre quand on compte la banque, puis le temps il arrive de dépenser la chemin Allah. Non. Dans ce qui nous dit, nous payons Allah, là, dans même tirer de Allah. Donc dans le chemin Allah, ça compte tes barakettes qui payent Allah. Mais c'est mon cher frère. Et selon l'islam, il dévoile du yakhid ça. Parce que le mot fait alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, les gars, garantit beaucoup moins de succès pour ban celui qui nous contribue. N'a pas fait calcul mathématique, calcul mathématique pas aussi dans l'islam. Tu vois, j'ai mis 1000 roupies, vous tiens 100 roupies. Vous contribuez, vous restez sans oublier. En retour, nous restons beaucoup qui savent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour purifier nous, pour purifier nous les guerres, et il évite nous de beaucoup de petites choses qui, capables de gagner une maladie, nous dépensons pour 10 000. Mais quand je dis nous, pour permission à Allah, économiser pour nous dire. Ça, c'est yakin, le Allah subhanahu wa ta'ala et sa capacité. L'an tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Et il y a un sahabi qui appelle Abu Talha, il dit qu'on fait dans ça, il dit qu'il y a un de mes meilleurs jardins dans Madina. Et ce jardin-là, il fasse avec masjid. Le prophète Ali, il soit à salam, il a la visite, il dans ce jardin-là, il a 6 ans dans ce nom, il va pied. Et ensuite, il s'y a petit bois depuis de l'eau, et il y a un lac, la fontaine là-bas. Lui, Abu Talha, quand il fait dans ça, il y a le Coran-là, c'est pas pour gagner, mais il y a comme récompense, comme bien-être, aussi longtemps qu'ils n'ont pas dépenses, qu'ils sont plus contents. Et lui, sa genre de natif bien aimé auprès de lui. Tu es extra content. Les vins vers le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit au message d'Allah, au bédon ça dans le chemin Allah. Au bédon ça dans le chemin Allah, parce qu'il y a envie de travailler d'après ça, il y a toujours un an, il y a envie de gagner ce qui est meilleur, elle est bien dans l'akhira. Qu'est-ce que vous m'avez dit pour comprendre? Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une petite chose, il a du bien pour nous dans l'unia et dans l'akhira. Mon frère, il va l'islam, pourquoi ça va pas rouler assez pour qu'il soit capable de faire l'effet dans le guerre afin qu'il ne dépense pas seulement, on pourrait dire, pas en termes de richesse, en termes d'argent, mais dépenser la chemin Allah, n'importe qui va une opportunité qui vient devant nous, n'a pas. Et laisse ça une opportunité qui en l'eau traverse devant nous sans qu'il nous contribue afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous pour nous manquer qu'il nous capable de faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala tirite les temps qui nous reste vivre dans cette dunya là avec permission à Allah, nous faire sa doua là, Allah continue à nous faire. L'eau sera toi le mustaqim, ya muthabbit al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh Allah, fais nous t'inifier. Jusqu'à nous dire, au moment où nous sommes venus à l'âme, qu'à la balle qu'elle m'a dit, bien nous, nous sommes t'inifier. L'autre kalima la ilaha illallah, kalima tawhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'analyse. Souffrance d'une bonne vraie soeur, bonne cellule qui vient être oppressée, peut être massacrée, peut subir l'injustice entier le monde, dans Yémanie, dans Palestine, dans la Syrie, dans Yémen, dans la Chine, dans les autres places au Cachemire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère Raham de l'humain frère et soeur et dans sa roumane-là et allez sur ce sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère nous pour nous capables de faire beaucoup de bonnes actions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا يا أرحم الراحمين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم اللهم أحسن عاقبتنا في وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصل الله على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة